monsieur, bonsoir. Et à trois hommes, ce n'est pas Rihanna, c'est maman Grano, alias Ladonia. Bon, j'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs, je m'en fous, même si vous n'allez pas bien. Chacun porte sa croix. Tu vas me prendre le problème de quelqu'un pour les mettre sur l'autre. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. On va parler de quelque chose de très délicat. Je marchais en route, c'est-à-dire que sur l'échangeur de charbonnage, je marchais en route comme ça. Il y a un monsieur qui m'arrête. Il me commence à me raconter sa vie. Maman, non, je suis pauvre. Je vis dans les précarités. J'ai mangé le beurre de carité. Je dis ça, me regarde en quoi? Bon, moi, je ne veux pas porter ces problèmes. Je lui ai dit, bon, comme tu connais que c'est moi, maman Grano, viens sur mon plateau, tu vas parler, je vais te poser quelques questions, et puis ça va passer, on va voir si l'État peut t'aider, tu comprends? Donc, lui-même, il est là, il va se... il a amené la veste, tu as ramassé ça où? Toi, tu sais comment j'ai fait pour avoir la veste là, pour arriver ici sur le plateau? Ah. J'ai volé la veste de Badinga sur la corde à linge. Les gens me regardent, je ne pouvais pas quand même mal venir habiller. En plus, tu es un voleur, un vieux qui vole. Attends, oui, parle-nous de ta situation rapidement. Bon, c'est comme je t'ai expliqué la fois dernière sur la route. Je t'ai dit que c'est moi, j'ai même de faim. Hein, c'est compliqué même la boîte sardine pour avoir mangé un peu avec le pain, les enfants, rien. Des fois, tu rentres même, tu as goûté un peu le riz dehors quand maman gâteau t'a donné avec la sauce. Maintenant, tu viens, tu as l'huile, l'enfant te dit que tu as mangé, tu fais comme ça. Je n'ai pas mangé, il y a quoi? Maintenant, tu vois autour aussi de la maison, quand même, il faut avoir le temps. Il y a l'herbe, on fait comment? Ah, il y a l'herbe autour de ta maison? Mais oui. Mais attends, l'herbe, s'il y a l'herbe autour de ta maison, l'État vient faire quoi là-dedans? Mais ça veut dire que la terre qui est autour de ta maison est fertile. Ça veut dire que tu peux même planter, tu n'as qu'à faire une plantation de canne à sucre. C'est tout, c'est bien comme ça. Tu me parles de quelle fertilité? Agri, c'est le truc que l'État a mis pour déboucher chez les gens, pourquoi ils ne viennent pas travailler ce mois? J'ai dit que faire une plantation de canne à sucre, il n'y a pas l'État qui va venir machin. Bon, maintenant toi tu me dis de faire les plantations, les reptiles. On fait comment avec les reptiles? Quand ils viennent, ils te piquent maintenant, hein? Non, attends. Au début de l'émission, c'est toi-même qui as parlé. C'est toi-même qui as dit que tu meurs de faim. Les reptiles sont comme la viande de brousse. On m'en a dit, dès que tu attrapes un boa ou bien un liguane, tu tues. Bon, on m'en a dit, tu manges, on m'en a pas bouillon, on m'en a là au sang, tu es à l'aise. Tant pis, tu manges et puis c'est tout. Pourquoi vous aimez dramatiser les choses? Les choses sont bien comme elles sont. Laisse ça comme ça. L'État va faire quoi? Maintenant que toi, tu m'as amené sur le top plateau pour me conseiller de manger le boa. Mais si tu ne manges pas, ça te regarde. Zizi. Bon, maintenant la peinture. La peinture qui est gaspillée, ça fait 3 ans. La peinture, ce n'est pas un problème. D'abord, ta maison, c'est sûr que c'est en tôle. Si tu habites à côté d'un bar, les gens vont venir pisser, ils vont te refaire la peinture. C'est tout. Donc toi, tu veux que moi, je meurs seulement avec les odeurs, quoi? Bon, maintenant, si le toit, quand je dors, l'eau, ça coule, Badinga, lui, quand il sort en vampire, il vient des fois s'arrêter le côté où ça coule. Pourtant, je l'avais dit que quand il sort, mets-toi quand même à gauche, au moins quand tu vas t'appuyer sur la tour, l'eau ne va pas beaucoup couler. Ça c'est bon chose de sorcellerie. Moi, je vois seulement que s'il n'y a pas le toit, tu dors à la belle étoile, tu contemples les étoiles, tu vois la lune, c'est tout. La vie est simple, oh. La vie est très simple. Un bon temps, Mazoum, le bon. Donc, ça va. La fois avec tes conseils, et puis la barbe, tu sors même comme un homme. Toi, tu es là, tu viens pour me conseiller le conseil bizarre. Je pense que tu vas présenter mon cas à l'État. Toujours avec moi. Tu me connais, Wayemanga. Toi-même, tu me connais quand tu parles avec moi. Mazoum, Wayemanga, non, je vais te gifler. Hein. Tu viens m'insulter sur mon plateau. Pardon. Moi, maman Grano. Tu vas me faire quoi? Tu es qui? Oh, Seigneur Jésus-Christ. Regarde-moi un rigolo comme ça. Tu viens m'insulter sur mon plateau. J'ai atteint Zam, toi. Tu oses venir me dire que sur mon plateau tu viens m'insulter. Ta mère est plus belle que moi. Hein? Ta femme, elle est plus belle que moi. Moi, barbu, à 13 ans. Ah, tiens, mais je suis une belle femme. Ta soeur, ta fille. Bon, ça quitte. Et puis quoi? La boucle d'oreille quitte. Il y a quoi? Ta femme peut avoir une boucle d'oreille comme ça. Tu viens me dire que je suis barbu, à 13 ans. Ma joie, tu m'as mané, je suis une boucle. Mais fermez-moi les portes. Il ne sort pas. Ah, tu quittes. Ma joie, tu es une boucle. Lui et moi. Ne fermez pas les lunettes là. Compa.